Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi du Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter une bourse et je fais cette vidéo, c'est pas vraiment pour la bourse que je fais cette vidéo là, voilà, je fais cette vidéo pour ceux qui veulent vraiment postuler à une bourse, qui cherchent une admission pour aller étudier en Italie, voilà, et ça c'est une bourse de l'Italie, mais il n'y a pas assez de bourses dans cette option là, c'est pourquoi je fais la vidéo, mais je fais la vidéo aussi pour les invitations, pour ceux qui cherchent des invitations pour aller étudier à l'étranger, voilà, ici dans cette université, si vous voulez avoir une invitation, ça sera un peu plus facile pour vous. Ça va concerner ceux de la licence et du master, mais la bourse qui est là concerne un peu les étudiants du master et du doctorat, voilà, ceux qui ont déjà des éléments bien concrets, c'est-à-dire un thème déjà à exposer et tout ça, et il privilégie aussi ceux comme ça qui ont déjà un travail, ceux qui sont déjà dans les entreprises ou bien ceux qui sont aussi en stage et tout ça, voilà, donc c'est pourquoi j'ai essayé comme ça de vous présenter cette bourse là parce que c'est une bourse qui est vraiment intéressante, voilà, mais il n'y a pas assez de bourses. Alors, je privilégie un peu comme ça ceux qui veulent simplement des admissions. Voilà, donc je vais aller sur ce principe-là. Ainsi, tous ceux qui veulent vraiment postuler pour avoir une admission peuvent passer par ici pour pouvoir l'avoir. C'est-à-dire, à défaut d'avoir une admission, à défaut d'avoir une bourse, vous pouvez avoir une admission. Voilà, donc l'élément sera en anglais. Sera en anglais parce que il y a des étudiants qui m'écrivent. Voilà, et qui aimerait que je fasse des vidéos en anglais. Alors il y aura des vidéos qui vont passer en anglais, comme ça eux aussi ils vont essayer de pouvoir les postuler. Donc pour traduire les éléments, pour utiliser la traduction de mon web, voilà, je vais par moment essayer de laisser comme ça, et quand ils vont voir eux aussi, quand je vais lire en anglais, ils vont comprendre et puis essayer aussi de postuler avec vous, vous comprenez, voilà. Donc ici, comme je dis ici, the call for application is now open. Donc the CICOB scholarship, in order to promote international cooperation, particularly with developing countries, the University of Pavia provided 5 scholarships. Vous voyez un peu, donc ici vous voyez que il n'y a pas assez de bourses. C'est pourquoi je privilégie un peu l'admission. Pour ceux qui veulent aller étudier là-bas et qui ne savent pas comment faire, vous pouvez avoir une admission à défaut de ne pas avoir de bourse. Parce que vous voyez ici que c'est seulement que 5 bourses. Alors si c'est 5 bourses, ça veut dire que la sélection sera vraiment très rude. Donc néanmoins, essayez de postuler. Et si vous avez une admission, vous allez y étudier tranquillement. Ah, ici, l'université de Pavia n'est pas assez cher. Voilà. Donc en fonction de votre faculté, vous pouvez avoir une admission ou bien avec des frais de scolarité qui va jusqu'à maximum peut-être 3000 euros, vous comprenez un peu, voilà, ou bien ça peut être moins que ça parce que les doctorants et les masters, ce n'est pas assez cher que ça. Donc provided 5 scholarships to visiting your scholar for the year 2023 for a period of stay. Donc ici, the deadline is 31st May. Applicants must have at least 2 years of usual teaching experience or activity with an international organization and institution. Donc vous comprenez ici, il y a un élément qui est vraiment primordial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui vont essayer de postuler comme ça pour la bourse, je dis bien ceux qui veulent postuler pour la bourse, voilà, l'étudiant doit comme ça avoir un boulot, voilà, au moins minimum de 2 ans, vous comprenez, ou bien un boulot dans l'enseignement ou bien une autre activité internationale, vous comprenez un peu, voilà. Donc ceux qui veulent postuler, ça, vous devez d'abord commencer par là avant de pouvoir postuler. Et ici le moment, l'élément qui est vraiment primordial, c'est quoi, comment est-ce qu'on postule pour cette université là, pour cette université là, pour pouvoir postuler. C'est quoi? Pour cette bourse-là, bien sûr, pour pouvoir postuler, je parle de la bourse, pour pouvoir postuler, sinon pour avoir une admission, c'est un peu plus simple. Voilà, pour pouvoir postuler pour cette bourse-là, comment est-ce que vous allez faire? Vous devez d'abord avoir, c'est-à-dire contacter un superviseur,
quand je dis contacter un superviseur, avec eux ici comme ça, pour contacter les superviseurs, c'est pas assez complexe. Voilà. Donc, vous devez contacter un superviseur. Il sait que vous posez la question. Vous posez la question, mais comment est-ce qu'on doit contacter un superviseur et tout ça? Ça vient. Ok, donc vous devez contacter un superviseur. Et lorsque vous allez contacter ce superviseur-là, c'est lui qui va vous donner l'autorisation, qui va vous donner l'invitation. Et lorsque vous avez cette invitation-là, vous allez maintenant venir postuler, c'est-à-dire venir postuler pour la bourse sur cette plateforme-là. Donc, si vous remarquez bien, si vous cliquez sur Application Form, vous voyez que je vais laisser en anglais pour ceux qui suivent en anglais. Voilà, vous voyez que ici, Scholarship Entry Application Form, Deadline, OK. First name, surname, le genre, nationality, mother tongue. And here you can see that place, like that important place is like upload invitation letter from a professor from University of Pavia. It means that the first time you need to have or you need to get some invitation letter from a professor. Understand? From a professor from the University of Pavia. But how to get that invitation? It will be very simple. I will show you how to do it. But in first of all, that thing you know to you need to read the call and effect. Donc ici par exemple comme ça, si vous pouvez avoir, j'essaie de faire les deux en même temps pour ne pas faire deux vidéos. Voilà, je sais que la vidéo sera un peu plus longue, mais je n'ai pas d'autre choix. Je vais essayer de faire comme ça pour ceux aussi qui veulent étudier en anglais, parce qu'ils sont beaucoup plus privilégiés que vous pour ceux qui doivent avoir le certificat en anglais. Donc ici, pour pouvoir, comme je l'ai expliqué là-bas, pour pouvoir postuler, c'est très simple. Vous devez d'abord avoir une invitation d'un professeur de cette université-là. Et c'est ce professeur qui vous envoie une invitation qui vous dit, OK, j'ai reçu votre thème et votre thème, c'est ce que moi je fais. Donc, vous pouvez venir étudier. Et c'est en ce moment-là que la bourse maintenant va entrer en vigueur. Vous allez pouvoir remplir l'élément qui est là, l'élément de bourse qui est là. Vous voyez, si vous remarquez bien ici, c'est ce que j'essaie d'expliquer un peu en anglais. Si vous remarquez ici, vous devez insérer une lettre du professeur, une lettre d'invitation du professeur, vous comprenez? Et c'est le professeur qui va vous envoyer cette lettre là. Vous insérez la lettre ici et ici vous mettez, je vais mettre en anglais, et ici vous mettez le CV et ici vous mettez votre publication. Votre publication, c'est-à-dire l'élément qui a convaincu le professeur pour qu'il puisse vous envoyer l'invitation. Donc vous mettez cela ici, votre thème bien exposé et tout ça. Voilà, donc pour l'instant on n'est pas encore là, j'essaie encore de vous expliquer comment ça se passe pour que vous puissiez le faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à défaut d'avoir une invitation comme on le faisait normalement avec les autres, les autres universités, c'est-à-dire avec les autres bourses, ici pour avoir une invitation il faut avoir l'invitation d'un professeur. Ok, donc la question reste à savoir maintenant, pourquoi et comment est-ce que vous pouvez avoir une invitation d'un professeur? Donc tout à l'heure, je vais revenir dessus. Please be informed that incompleted application will be rejected, but exceptional will be made. In particular, the letter of invitation is essential for the application. Applicants who don't have any contact can write to Cisco's office, which will send a rigid proposal form to be filled filled up and send back to Cisco together with the CV. Ok, donc ici par exemple comme ça, ce qu'ils sont en train de vous expliquer, ils expliquent que ceux qui vont pas respecter les consignes d'abord ne pourront pas postuler. Ils vont voir leur application rejetée. Et n'oubliez pas que l'élément essentiel, c'est quoi? C'est d'avoir une lettre d'invitation d'un professeur de votre faculté. Quand je dis de votre faculté, c'est-à-dire de la faculté que vous voulez faire et du thème que vous voulez soutenir là-bas en Italie. Vous comprenez? Voilà. Et ceux qui vont demander, par exemple, comme ça, c'est la partie la plus importante. Ici, c'est quoi? C'est ceux qui, par exemple, qui vont demander une invitation au professeur. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment est-ce que vous devez faire pour contacter les professeurs et tout ça. Voilà, tout est déjà sur le site. Donc,
ceux, par exemple, comme ça, qui vont essayer de contacter un prof et qui ne vont pas avoir de retour, qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez votre thème de recherche, voilà, au lieu de l'envoyer maintenant à un prof, puisque vous avez envoyé au professeur et que aucun professeur ne répond, voilà, vous envoyez maintenant à la structure SICOP, vous comprenez, à la structure SICOP qui gère, et vous envoyez cela sur le lien, vous envoyez ça avec votre CV, c'est ce qu'ils ont dit ici, which will send a research proposal form to be filled out and sent back to the SICOP together with the CV. Donc ici vous envoyez votre thème de recherche avec votre CV au mailer qui se trouve là. Ça, c'est le mailer de la structure qui gère la bourse. Vous comprenez? Et eux maintenant, ils vont vous proposer un prof. Et en ce moment-là, vous allez utiliser ce prof-là pour pouvoir postuler à votre bourse. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, comment est-ce que vous devez, par exemple, comme ça, ou bien quels sont les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler? Donc, ici, vous venez dans quoi? Dans Call qui est là. Voilà, vous allez venir dans Call, vous allez voir un peu les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler. Donc, ici, application and deadline. In order to encourage contact between staff and student, the period of stay should take place within the OK. Application must be sent no later than May 21st, 2002 by filling out the application, the online application form. Donc, vous devez envoyer le document, c'est-à-dire une fois que vous recevez comme ça la lettre d'invitation du professeur ou bien de l'université ou bien ceux qui ne vont pas avoir de professeur, vous allez envoyer à SICOP et SICOP va vous faire un retour. Donc, une fois que vous envoyez cela, vous allez aller et remplir l'élément de bourse qui est en ligne où je vous ai montré. Voilà. Maintenant, the following document should be uploaded to the online form. Donc, voici les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler. Donc, ici, CV in European form, Europass. OK. Field to be named, surname, name and CV. Donc, ici, comme ça, vous avez besoin d'un CV. Et lorsque vous allez enregistrer ce CV, ça sera un CV Europass. Voilà. Donc, ce CV Europass, n'oubliez pas, vous devez aussi essayer d'inclure les listes de publications, c'est-à-dire les éléments que vous avez soutenus, tous les éléments que vous avez soutenus, ou bien tous les éléments que vous voulez soutenir, vous devez les mettre sur le CV aussi. Donc, ici, ceux qui sont vraiment intéressés, nous sommes toujours là, une box, vous pouvez nous contacter. On va essayer de mieux vous expliquer parce que il n'y a pas assez de temps pour pouvoir faire tout cela en ligne. C'est vraiment un peu complexe. Voilà. Donc, le CV, vous donnez le nom du CV avec votre nom, prénom. Voilà. Et invitation letter from the professor and researcher from whom you intended to collaborate. Name to be named, surname, date and letter. OK. Donc ici, par exemple comme ça, donc voici les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler. C'est-à-dire, lorsque vous allez avoir ces éléments-là, vous devez les insérer ici. Je vous ai déjà montré l'endroit. Voilà, sur l'application form qui est là. Et vous allez envoyer, vous allez soumettre. Voilà, donc d'abord, vous allez remplir tous les éléments qui sont là. Vous comprenez? Voilà, vous allez remplir tous les éléments qui sont là. Et une fois que vous finissez, vous allez maintenant voir l'aperçu et soumission, vous allez cliquer là pour soumettre. Voilà, vous comprenez un peu. Donc ici, vous allez mettre comme ça le lien, la lettre du prof. Ici, vous allez mettre votre CV. Et ici, je vais mettre en anglais. Vous allez mettre votre CV. Et ici, vous allez mettre tous les documents ou bien les thèmes que vous avez exposés et qui ont convaincu ce professeur-là de vous envoyer une invitation. Vous comprenez un peu. Voilà, donc c'est un peu ça. Ici, je vais vous montrer un peu après comment est-ce que vous devez les faire et tout ça. Mais pour le moment, le plus important, c'est de savoir un peu comment ça marche. Et puis, tout à l'heure, je vais comme ça essayer de vous montrer un peu comment est-ce que vous devez contacter les profs pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Voilà, donc pour ceux qui sont vraiment intéressés à postuler, comme je vous l'ai dit, tout à l'heure, je vais vous montrer comment est-ce que vous devez contacter les profs et avoir une lettre
d'invitation. Alors les gars, je fais une pause et puis pour ne pas que la vidéo prenne assez de temps à télécharger sur YouTube. Donc je fais une pause et puis à tout à l'heure pour la suite.